Après 2 années de pandémie, le CHU relance sa cérémonie de remise de médailles du travail le 4 octobre 2022 à la chapelle Corneille de Rouen. C'est la première fois que cet événement annuel se tient dans ce monument historique classé, un cadre idéal pour accueillir les professionnels médaillés et l'encadrement des pôles. Bon, c'est un honneur, c'est un plaisir de recevoir cette médaille dans ce cadre magnifique. C'est une découverte, je la trouve magnifique et elle est hyper grande et je ne me doutais pas du tout, comme disait ma Germaine, que ce soit aussi grand et aussi fastueux. C'est une belle découverte. Chaque professionnel pouvait venir accompagné de la personne de son choix et assister à un concert privé des musiciens de l'Opéra de Rouen. La directrice générale et le président de la CME du CHU, ainsi que la déléguée à la santé de la mairie de Rouen, ont eu le plaisir de médailler plus de 100 professionnels pour leurs 20, 30 et 35 années de carrière. Alors j'ai eu ma médaille de 35 ans, la médaille d'or. Et maintenant, je suis en retraite depuis le 1er septembre. Voilà, je suis super contente. Au total, 45 médailles d'argent, 22 médailles d'or et 29 médailles de vermeil ont été remises. Je viens d'avoir ma médaille des 20 ans et là maintenant on va aller fêter ça au resto. Certains ont fêté cette récompense au restaurant, d'autres ont profité du buffet concocté par le service restauration pour partager un moment convivial avec leurs collègues. Merci, c'est sympa, tout est réussi, super accueil. Que du bonheur, comme on dit. La sécurité était également présente pour veiller au respect des VIP. Festival de Deauville 2022. Clap. Bonsoir, le nouveau casting ce soir. Nous avons en direct Valérie Lemercier et Quentin Tarantino. Bon, j'ai changé de prénom pour l'occasion, mais c'est pas grave. Hein. Bonne soirée à tous et bon film. Le casting de la prochaine édition a déjà débuté à la DRH. Les professionnels médaillés en 2023 seront honorés sur scène.